Roger Federer ne s'arrêtera donc jamais. À 37 ans, le Suisse vient de remporter son 20e tournoi du Grand Chelem à Melbourne. Opposé au Croate Marin Cilic en finale, Roger Federer a eu du mal à conclure, après avoir remonté à une manche, puis deux manches partout. L'an passé, il avait déjà remporté ce tournoi du Grand Chelem face à Rafael Nadal, en 5 manches aussi.